Bonjour et bienvenue ici Lusty et bienvenue sur la chaîne de la plongée sous-marine. Et oui, aujourd'hui on fait de la plongée sous-marine. Allez, un nouvel épisode dans Subnautica. Regardez, j'ai un message radio. Que dit-il? Signal de détresse, ah, mon Dieu. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Ah, ok, un nouveau signal de détresse qui me donne l'emplacement d'un nouveau... Tiens, c'est celui-là. 1000... Ah, il y a 1 km quand même. Ouais, c'est loin les enfants là. Celui-là c'est plus près. Mais il est à... Et c'est le plus facile à obtenir. Ah, dans les bas-fonds, ouais. Je clique sur bas-fonds parce qu'à chaque fois ça me rappelle cette fameuse phrase, cette fameuse citation de Ripley dans Alien 3. Voilà, bon, il se planque dans les bas-fonds à chaque fois. Ah, donc ça me fait rire à chaque fois. Merveilleux film, hein. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un petit constructeur d'habitat parce qu'il serait temps quand même de peut-être de construire autre chose que notre petit abri à la con là. Hein. C'est quand même, il fait bon, assez petit, ça va commencer à sentir un petit peu là. Hein. Et ben oui, j'habite tout seul dedans. Le problème, c'est que pour faire ça, il va me falloir du minerai d'argent. C'est ce qui manque pour faire un kit de câblage. Et qui des minerais d'argent dit qu'il faut que j'aille dans le territoire des vilains là-bas là. Pour aller me chercher de l'argent, donc ça m'ennuie un petit peu. Ça m'ennuie un petit peu, mais bon. Va bien falloir y aller, hein. Donc bon. De toute façon, il y a un petit peu de lumière là, qui est fournie hein, par les vignes d'Orin. Ah tiens, il y en a un là de vilain. Bah ils s'attaquent entre eux, c'est excellent. Qu'est-ce qu'ils attaquent, c'est con? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas... Alors attends, on va aller voir par là. Je suis pas chaud de retourner dans la caverne en pleine nuit par contre. Ouais, c'est chiant, ça fait nuit. Ah bah tiens, il commence à faire jour, c'est fantastique. Au moment où je dis ça, il fait jour. Le jeu m'écoute. S'il y a des trucs... Ouais, il est là, lui. Je pense pas qu'il m'ait repéré. Par contre, on voit absolument que dalle dans ces cavernes. Allez, petit minerai d'argent, où es-tu? Viens à moi. Je sens n'importe quoi. Sur la mélodie de Country Road en plus. Viens à moi, minerai d'argent. 30 seconds. Ok là. Christ, ils mettent à deux en plus. Youhou. Ouh, c'est quoi ça? Non, il n'y a rien là. Bon allez, attendez, je vais me sortir mon Sea Glide et je vais aller un peu plus loin. Il y a un truc là? Ah, il y a un truc pour analyser. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, le Sty est lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ah, je l'avais déjà ça. Ça, je l'avais déjà. Allez, on va sortir le Sea Glide et on va essayer de faire ça vite fait. Je ne vois toujours pas de minerai d'argent. Oh mon Dieu. L'école du minerai d'argent. Où es-tu? Ça c'est du dépôt de sel. Ça c'est de la bouse. Ça c'est du calcaire donc on s'en fout. Il y a un truc là-dedans, non? Non, évidemment, il n'y a rien.
c'est pareil, ça c'est du calcaire, mais je prends quand même parce que du cuivre. Il m'en faudra de toute façon, donc je prends tout. Hein. Je prends tout. Où es-tu, précieux orge? Non. Ça, ils sont 50 là. C'est pas possible ça. Ah zut, je me rapproche de l'Aurora. Et donc du coup... Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est le Sea Glide. Tiens, c'est marrant ça, je ne connaissais pas, c'est nouveau. Alors je sais pas où je suis. La gravissière, je l'ai déjà. Espérons qu'il y ait des trucs nouveaux là. Encore de la gravisphère, je m'en fous. Une poubelle. Ah génial, une poubelle. Excellent. Un distributeur automatique. Ah, je vais pouvoir construire plein de trucs. Ça va être fantastique. Est-ce qu'il y a un truc là? Encore du Sea Glide, je m'en fous complètement. Des étagères, y a rien. C'est la loose complète, les enfants. Je vais remonter, où suis-je? Faut pas trop que j'aille vers du côté de l'Aurora là. Voilà, mon truc est là-bas, je vais aller, tiens, je vais aller plonger là. Ça, ça fait partie des méandres de ce jeu, hein, évidemment. Il y a des moments, on se paume. Il n'y a pas de carte. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de carte du tout. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Un biome inconnu. Oh, de l'argent! De l'argent, mais j'ai plus de place! Vite, avant qu'il se casse la gueule! Voilà, il m'en faut deux. Il m'en faut deux pour construire mes machins. Non, ça c'est du sel. Ça c'est du sel. Oui, oui, je sais, oui. J'ai parfait tout mon oxygène la dernière fois. Ce petit rebond là, c'est très chiant en fait. On dirait pas, mais c'est vraiment extrêmement relou. Allez, on est reparti à la recherche de notre argent. Non, ça c'est du calcaire, donc c'est du cuivre. C'est du sel. Ah, décidément. Décidément. Je pourrais vous chanter une chanson en attendant, hein, pendant que je trouve mon petit minerai d'argent. Ça se scanne pas, ces merdes là. Le truc c'est que je pourrais prendre, hein, le Sea Glide évidemment pour aller plus vite, mais j'ai peur de... J'ai peur de le rater en fait, dès que je vois, parce que c'est tellement subtil. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoute, très bien. Country road, take me home to the place I belong. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui c'est qui fait ce bruit pareil là? Il y a une espèce de grosse merde dans le coin. Je vais me la prendre sur la face. Et toujours pas d'argent. Hein.
Mais hop, 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 c'est quoi ça? Non, ça va être du calcaire, ça. Ouais, donc du titane, on s'en fout. 30 seconds. Ah, j'ai plus d'oxygène. Je l'ai déjà, et zut. Et zut, et zut, et zut. Faut vraiment des trucs de CMOS. Bah, le CMOS, c'est le premier véhicule hein, qu'on peut avoir. Petit véhicule très sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe des choses, il y a du bruit. Ouais, d'accord. On lui dira. Ah mais c'est pas possible de pas... Hop, 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 hop. Allez, vire-moi un titane. Ah zut. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme merde là? Ah, j'ai récupéré du plomb. J'ai récupéré du plomb. Zut, flûte, caca, boudin. Calcaire, non. Est-ce que ça serait pas la grosse plateforme vivante de merde? Ah zut. Je vois toujours pas hein. Je me demande s'il n'y a pas plus d'argent un peu plus loin, mais j'ai pas envie de trop m'aventurer. 30 seconds. On dirait une baleine ou un truc. Assez éclaté. Ah, je vois ma capsule d'ici. Hein. Ah, j'ai quand même un champ. J'ai mis le champ de perception au max. C'est utile. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Regardez ça, superbe. J'espère que c'est pas encore une... on va virer... non fonctionnel. Qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Vire-moi ça. Ah, de l'argent. Excellent. Donc j'ai mes deux argents là, je crois. Hein. Ouais, je vais pouvoir enfin me fabriquer mon truc pour... normalement pour commencer à construire de l'habitation. Alors on va... Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Un javelot pendu. Excellent. Ah, j'ai soif. Ah, du quartz. Très sympa pour faire. Et voilà, encore du plomb. Qu'est-ce que je me suis bouffé là? Je ne suis pas fait empoisonner par ces merdes. Allez, on va prendre le Seaglide pour aller plus vite. Vraiment que je retourne vite à la base. Histoire de soigner, de bouffer un coup. Ouais, j'étais parti vachement loin quand même. Ah d'accord, j'étais parti de l'autre côté, là, des grosses burnes. Yep, là. Et voilà. Allez, montons à bord de la capsule. On va enfin pouvoir... Attends, déjà, je vais... attends, dépôt de sel, voilà. Déplacer. Boire. Je me soigne. Boire. Boire. Voilà, je suis à fond. J'ai plus de bouffe par contre, ah, merde, hein. Merde, merde, merde. Il va falloir que j'aille récupérer des tout petits poissons. Bon attends, alors du coup normalement je peux fabriquer, bah... Ah pardon. Ah il me faut une pile aussi, zut.
Voilà, il faut fabriquer mon kit de câblage. Allô, kit de câblage. Voilà. Et du coup, il va falloir que je me fasse une pile aussi. Avec deux champignons acides, j'ai du cuivre. Champignons acides, est-ce que j'en ai encore? J'en ai plus, mais ça va être facile. Il faut que j'aille récupérer de la bouffe de toute façon. Attends, vire-moi ça là. Donc, il faut que je récupère de la bouffe et des champignons acides. Ça va être assez facile. C'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Ah, et on en récupère quelques-uns. Ensuite, de la bouffe. Je me demande si on peut les bouffer, les grosses couilles. Bien, petit poisson, petit poisson. J'arrive pas. Ah, je suis con, mon inventaire est plein. Viens-moi ces champignons. Voilà. Bonjour les poissons, mes amis. Et Nemo, vous avez vu Nemo? Je cherche Nemo. Ensuite, oh, j'ai trop de mal à cliquer. Oups, bonjour. Alors, je vais aller bouffer ça. Non, en terre plein. Non, j'ai pas besoin de les saler parce que je vais les manger tout de suite. Voilà. Alors, consommer, consommer. Voilà, superbe. J'aurais pu en prendre un troisième, c'est pas grave. Donc, il me faut une pile. Et du coup, maintenant, normalement, je vais fabriquer, voilà, mon constructeur d'habitat. The builder, too, is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Ah, j'ai un message radio. Écoutons-le. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ok, bon bah le Sunbeam, normalement c'est le vaisseau qui doit venir à notre rescousse. Est-ce qu'ils arriveront à l'heure ou... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Alors, voyez un petit peu ce que ça donne maintenant. Voilà, ce petit... fabricant de trucs. Et donc du coup, voilà, il y a un truc de construction. Alors là, vous appuyez sur clic droit et donc vous avez les modules de construction. Alors ici, j'en ai des nouveaux. J'ai récupéré la poubelle, excellent du titane. Et donc ça, c'est les modules de base, on va dire, avec la fondation. La fondation, c'est vraiment le truc de base qui prend du titane et du plomb. Et, ok, donc il y a des modules externes. On peut mettre de la pompe à air, des panneaux solaires pour, évidemment, fournir de l'énergie. Et ça, donc, c'est les terminaux. On peut mettre des fabricateurs et l'armoire qui sera vraiment un truc super utile pour pouvoir stocker toutes nos merdes. Alors du coup, il me faudra un petit peu, il faudra que je me procure un petit peu de, comment dire, il va falloir que je me cherche un endroit pour construire un petit, commencer à construire mes trucs. Ah, et la poubelle, excellent ça. Et un distributeur automatique, fantastique. Par contre, je suis un petit peu moyen en bouffe et en... Je vais quand même aller récupérer d'autres petits poissons. Petit poisson, où es-tu, petit poisson? Ah zut alors. Il n'y a plus de petits poissons dans le coin là? J'ai tout bouffé. Ah, il y en a un là. Voilà. Voilà, et de deux. Et de 2. 3. Ah, je suis plus rapide là. Je
parce que c'est la nuit, je suis furtif. Non, j'ai eu des conneries, je sais même pas s'il nage plus vite ou moins vite la nuit. Je pense pas. Hein. Okay. Il y a encore un message là? Qu'est-ce que c'est que ça? This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Ok, il se passe plein de trucs. J'ai toujours pas été visité, ce serait... peut-être faire ça en fait la prochaine fois. Ah, attends, donc matériaux de base. Non, il me faut de la bouffe. Première fois, la bouffe en fait. Alors, je vais faire... Ouh, il est gros celui-là. Il est excellent. Alors, je vais bouffer un petit peu. Oups. J'ai bouffé le truc cru. Merde. Ah, quel con. Ah, quel con, j'ai bouffé le cru. Ah, c'est pas vrai. Ça. Bah. Allez, on va boire un petit coup. On va garder ça. Du coup, est-ce que je peux stocker deux ou trois trucs là? Ah, juste un emplacement avec le caoutchouc. J'ai envie d'aller voir... J'ai très envie d'aller voir... Avant de construire quoi que ce soit... Le truc qui est le plus près là. Il est où le truc le plus près? Il était à 490 mètres à moins 100 mètres. Près d'une grotte et subit des attaques. Ah merde. Écoutez, déjà je vais le sauvegarder. Bon, j'ai sauvegardé, la lune arrive là, donc ça veut dire que, enfin une autre planète, la lune elle est là, je sais pas si c'est une lune ou si c'est une autre planète ça dans l'histoire, je sais pas bien suivi, mais regardez, le soleil arrive, et voilà, c'est beau, c'est quand même magnifique, on se prend, regardez la flotte quand même, la qualité de, des, ah moi j'adore franchement, on se prend dans ce jeu, ah, ouh, ah d'accord, un dauphin burnet qui se balade comme ça à l'air. Très cool. Ok. On se prend dans ce jeu à admirer les trucs très souvent. Allez hop. Ah je saute dans l'eau. Bon. Est-ce qu'on va essayer? Écoutez, on va essayer. On va essayer d'y aller. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas pris ici là? Je crois pas. On va voir. Si on peut se récupérer... De l'argent, du cuivre, des conneries en passant. Hein? On pourra aller le faire ça. Ah, dès qu'on passe d'un autre biome à un autre, ils mettent une petite musique inquiétante. C'est quoi ça? Non, y'a rien. Ah, c'est ça qui faisait le bruit là. Oups. Ah il est là, d'accord. Ah ouais, ok, c'est ça. Alors ça c'est pas très agressif si je mes souvenirs sont bons, mais on peut aller dessus, il y a des trucs. Pas dessus là. On va scanner l'entier ce truc. Un rift back ça s'appelle. Ça n'a pas été traduit. Voilà. C'est quoi ça? Oups. Le jeu qui rame un peu. J'ai cassé le bernacle mais j'ai pas vu s'il y avait un truc en fait. Cornet rouge, qu'est-ce que c'est? Ah, un berceau rouge. Ça on peut pas, y a pas là, à récupérer. Bon tant pis, merde j'ai plus d'oxygène par contre. Ok. Alors, le pod, il était où? Non, c'était pas celui-là.
Ah, ils sont plusieurs en fait. C'est pour ça. D'accord. Ah, attends. Ça, c'était ça. Ah, il était là. On a bien fait des vies. Alors, il est attaqué. J'ai vu qu'il y avait des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, à la merde, là, qui est là-bas. Là. On va voir si je peux m'en approcher sans me faire repérer. Ça va pas être facile. Ah, attends. Déjà, je vais prendre mon scanner. Et il est là, là. Ah, le vieux serpent, machin truc. Ah, fragment de Simos, excellent. Allô, petit jeu. Arrête de ramer, s'il te plaît. J'ai une grosse bécane, donc c'est pas moi. J'ai ma Simos, voilà. On est entré. J'ai téléchargé, voilà les données. Donc en fait il y a que dalle. Donc ouais, chacun des trucs en fait contient là un PDA en général qui est un petit peu ce qu'il y avait dedans, et ça permet de télécharger des données, des trucs. Il y a des trucs de construction il me semble. Alors, je sais pas s'il est là. J'ai pas revu. Fragment du réacteur, excellent ça. Voilà. Ouh, il y a des trucs sympas là, non? Non. Il est parti où Un mordeur. Ouais, faudra peut-être pas que je trouve mon approche en fait. 30 seconds. Merde. Ouais. Le Sea Glide pour ramasser la surface, c'est quand même plus pratique. Voilà. Ok, donc voilà, une petite exploration. Donc celui-là c'était le plus facile, hein. On s'est fait ça vite fait. On a pu récupérer des données. Ah, il est là, la saloperie. Il se planque dans le sable. Gros vilain. Oh 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 oh. Du plomb, des trucs. Ah, des cavernes sympas. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Ok, mon inventaire est plein, on va pouvoir récupérer et retourner au Simos, voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais non, ça c'est le véhicule mobile, j'ai déjà. J'ai viré mon titane et je l'ai récupéré direct derrière. Où est tombé l'argent? Où est tombé mon argent? Où est l'argent? Oh, quelle tâche. Du coup maintenant je récupère des... du cuivre qui ne sert à rien. C'était quoi ça? Où est l'argent que j'avais ramassé, zut? Ouais, ces trucs là vous donnent de l'oxygène, hein. Jamais vous n'êtes pas au courant. Ça permet de rester sous l'eau et de se recharger un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cavernes? Ah, oh, du titane. Je m'en fous du titane. Bon allez, retournons. Aussi glide, j'ai dit que je retournerai donc. C'est bien que je me construise une base près d'un. Je reviens voir. Près d'un truc où il y a plein de ressources. Alors les bases, ce sera un endroit assez plat. Genre vers là peut-être.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc voilà, j'ai récupéré tout ça. J'ai récupéré un PDA, donc. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Banque de données. Données géologiques, non. Alors, qu'est-ce qu'il a récupéré, ce... Rien? J'ai pas eu de nouveau... Ah, c'est con, ça. Il m'a pas filé de nouvelles constructions. Je croyais qu'il pouvait filer de nouvelles constructions. Quand je scannais un PDA, ça c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Données géologiques, je m'en fous complètement. Forme de vie, données téléchargées. Voilà. Si elle est tresse. Ok. Très bien. Non, bah non. Écoutez, bah voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus très bien où c'est. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, comment est-ce que j'en suis? Si, non, c'est vrai que je voulais aller dans mon inventaire en fait. Comment est-ce que j'en suis? Ok. Là. Alors. De l'eau. Ouais, je prends de l'eau. En décomposition. Ouais, c'est pas grave. Je prends quand même. Je m'en fous. C'est bon à manger. L'argent. Ah mais j'en avais déjà en fait deux dans mon inventaire. Quel est mon prochain objectif maintenant? La balise, je m'en fous, l'armoire, je m'en fous, puis j'ai gravité, tout ça, je m'en fous. La baie à véhicule, j'ai pas encore les. J'ai pas encore les trucs. Est-ce que ça serait pas de me construire une base? Ou aller d'essayer d'aller un petit peu plus vers l'Aurora. Alors normalement l'Aurora. Pour pouvoir bien se déplacer dedans, il faut un truc qui permet de déplacer les objets. Oui, je le sais déjà. Sinon, on peut pas rentrer dans partout et on peut pas aller bien tout explorer. Parce que c'est quand même long, il y a quelques énigmes, il y a plein d'emplacements à explorer. Donc bon, je ferai ça une prochaine fois. Je me demande si je vais pas chercher un petit coin pour me faire une base. Parce que là, le déployable, bof. Ouais, je vais en faire ça, je ferai ça la prochaine fois. Je ferai ça la prochaine fois. Écoutez, voilà, on a un petit peu avancé. Hein. C'est vrai que c'était peut-être dans ce jeu un petit peu la partie un petit peu recherche de ressources pour se construire un petit peu de modules. Je vais faire ça, je vais peut-être me construire un petit module près, un peu plus près d'une bonne zone de ressources. Je vais essayer de voir si je peux me trouver. Si je peux me trouver un endroit sympa pour construire tout ça. Est-ce qu'elle a des tiens? Si la BAVK. Oui, les véhicules, là j'en ai pas encore le CMOS. Le CMOS, il m'en faut 3. Il faut que je scanne 3 trucs de CMOS. Je sais qu'il y en a. Il y en a plein par là-bas, vers l'Aurora. Donc on ira essayer peut-être d'explorer un petit peu plus près. Sachant qu'il y a quand même des espèces de grosses saloperies qui se baladent autour. Donc bon, on va voir ça maintenant qu'on a la combinaison anti-radiation. Allez, ce sera pour la prochaine fois. Amusez-vous bien. Et à bientôt.